C'est tout, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le Grand Prix des États-Unis de Formule 1. 15e manche de la saison, ou 16e, je sais plus. Donc apparemment on va se dérouler un peu sur la pluie en qualif et en course, ça devrait aller. Alors du coup pour la qualif... ouais, je pense qu'on va mettre des pneus intermédiaires. Voilà, on tente un truc de fou de pas mettre de pneus pluie. Alors niveau réglage, on va mettre de la pluie aéro quand même. Il en faut un minimum, on va mettre bas, rapport de vitesse, on va baisser un peu pour avoir un peu d'accélération. Petit nage, oh bon. Ok, c'est parti. Et on arrive à la fin du championnat, on va voir un peu comment ça va se passer au niveau du titre. On est encore en tête, mais c'est quand même quelques points. Enfin, on n'a pas énormément d'avance. Hein. Bon, ça glisse un peu, mais c'est pas non plus. Inexploitable. Ouais, par contre, je me suis complètement loupé là. Ouais, la petite portion lente. Oula, par contre, ce virage, normalement, il est un peu moins serré normalement. Bon, je suis toujours malade, donc je vais de tousser, je suis désolé. À l'avance. On va baisser un peu l'antipatinage. On va faire le premier tour chrono. On bloque pas mal les roues quand on tourne. Allez, sur le banking. La pluie a l'air de redoubler un tout petit peu. On a plus de projection. Et du coup, c'est le deuxième temps. De mettre l'antipatinage en bas, voir si ça peut permettre de mieux accélérer. Ils sont en première aspiration sur la Minardi, c'est parfait. Attention de ne pas trop la taper non plus. Ça glisse un peu quand même. Alors, dans le dernier secteur, on est en avance au Schumacher, 3 dixièmes. Ouais, pour les secteurs, il est un peu mieux. Je freinais beaucoup plus tard. Ouais, on est deuxième. Ah, j'ai pas réussi à faire mieux. Si, j'ai fait mieux, mais c'était pas parfait. Mais écoutez, on va rentrer au stand.
Et on va faire du coup fin de session. Et on a le deuxième temps. C'est Schumacher qui reste en pole position. En pole monté à 3ème, Barrichello 4, David Coulthard, Ralf Schumacher 5ème, David Coulthard 6. Pas trop de surprises derrière. Ouais, on a les mêmes. Ok, pas beaucoup de changements. Alors, on va passer à la course. Sauf que je vais régler. Je vais régler pour qu'évidemment. Excusez-moi. On va regarder les pneus tendres. Et on est parti. Du coup, pour 10 tours de ce Grand Prix des États-Unis. Alors, je vais mettre leur petit patinage au maximum, hein, par contre. Eh, ça marche un peu. Ouais, non, j'ai dit, ça marche un poil mieux, mais en fait, on a quand même perdu 4 places sur la grille. Voire 5. On va essayer de reprendre l'intérieur. Oh, attention! Mauvais départ et mauvais premier virage. Alors, reste pour l'inspiration sur. Je pense que ça doit être Trulli. On a Button juste devant. Et ça passe dans la portion lente. Alors je perds tout mon temps en qualification ici. Donc peut-être que j'ai pas assez de vitesse de pointe par rapport à eux, on va voir. Ah ouais, j'ai vraiment aucune vitesse. Et en plus je bride à 306 km/h. Et je comprends mieux pourquoi je galérais. Dans la portion lente, ça va être là, on va peut-être être un peu plus en avantage. Allez, McLaren en moins. Sachant que j'ai le petit patinage en bas. Oh, attention. J'ai gardé l'extérieur, mais... Oh, pas mal. Pas mal, pas mal. Par contre, j'ai pas hors d'aspiration. Enfin, très peu en tout cas. Ouais, du coup, la McLaren va me redépasser normalement. On va voir au freinage. Non, c'est bon. Oula, ça commence à bouchonner un peu là. Aïe. On va essayer de caler derrière la Williams. En aspiration, on va essayer. Hein. Avec l'aspiration, ça passe. Bon, à l'extérieur sur le banking. On regarde la McLaren qui a pris l'aspiration derrière. Qui du coup repasse. Bon, ça va quand on a l'aspiration en ligne droite. Mais si on l'a pas, on est vraiment lent. Aussi lent dans le virage. Ouais, c'est un peu un compromis à Indianapolis, franchement. Avec la partie lente et la ligne droite après. On peut pas non plus s'amuser à faire full ligne droite ou full virage. C'est ça d'ailleurs qui est intéressant. Parce que c'est pas un circuit vraiment exceptionnel. Oh, papa, j'ai oublié mon freinage. Ouais, je galère un peu. Je pense que j'ai meilleure accélération avec la boîte de vitesse. D'ailleurs, ce Grand Prix en 2002, dans la vraie course, il y avait Ferrari qui avait tenté de faire un finish 1-2 Barrichello Schumacher en étant le plus proche au niveau des écarts.
Je crois qu'ils avaient échoué, mais ils avaient fini à 2 dixièmes, quelque chose comme ça. Ouais, Schumacher qui s'échappe un peu là. Oh, ça se chamaille avec la. Avec la Williams. C'est Montoya. Oh putain. Et ouais, je voulais à l'extérieur, mais. Un peu surpris là du coup. Elle va essayer de reprendre l'inspiration sur la McLaren, même si la Williams l'aura aussi. Ouais, freinage, c'est bon. Même si je, voilà, je pourrais tenter extérieur, mais ils se rabattent après sortie de virage. Olé. Alors je reviens sur un commentaire de Senna. J'ai plus exactement le Rabbit Senna, pardon. C'est ça, hein, je fais pas de bêtises. Qui disait qu'en fait c'était le même circuit que dans le Grand Prix 4. C'était un peu le même éditeur, enfin, Infogrames. En fait, ce que je trouve bizarre, c'est que. Alors, peut-être pas pour tous les circuits, mais il y a quand même des circuits où, franchement, si tu compares la version PC du jeu, la version Grand Prix 4, et la version là, je trouve que ça va pas du tout, quoi. Enfin, les dénivelés sont pas du tout les mêmes. On n'a pas du tout les mêmes textures. On a. Bon, on a des effets météo qui sont complètement différents aussi. À part peut-être la pluie. Allez, effectivement, ça se rapproche. Quelques effets. Enfin, je sais pas, c'est bizarre que la version console quand même soit autant au-dessus de Grand Prix 4 en termes de qualité globale, enfin je trouve, en termes de rendu. Et au niveau des circuits, bah je trouve que c'est pas les mêmes tracés, enfin ils sont. On voit par exemple le Grand Prix de Catalogne, sur le Grand Prix Challenge il est ultra vallonné, enfin c'est vraiment pas réaliste. La version PC, elle est beaucoup plus large. Elle est beaucoup plus soft en termes de dénivelé. Donc c'est pour ça que je suis pas certain que ce soit vraiment le même circuit. Ah, c'est pas mal, on va essayer de passer. Avec l'aspiration. Mais là par contre, ouais. Ah c'est bon, c'est passé. Enfin, c'est vrai que c'est un très beau jeu. Hein. Je pense que le jeu aurait mérité une version PC. C'est quand on s'amuse à améliorer les graphismes. Déjà en enlevant l'aliasing plus la qualité des textures, c'est quand même quelque chose d'assez beau, surtout pour l'époque. Et je trouve que ça reste un exploit quand même sur PS2, ce genre de jeu. Par contre ce jeu sur Xbox, je pense aurait été magnifique. Allez, Schumacher. Ouais, toujours aussi lent là, dans ce premier virage. Pas dans ce virage là. Allez, 4 dixièmes. Je suis un peu loin là pour prendre l'aspiration. Il reste combien? Il reste 4 tours. Le problème c'est derrière, ça revient vite. Je suis obligé de garder l'aspiration au loin, mais je l'ai pas en fait l'aspiration. Et du coup, regardez la vitesse de pointe. Que okay, ah bah, Kello. Oh, je sors de l'extérieur, mais. Je suis en double-doublé là. Toya qui a fait en profiter aussi. Ah, bien joué. J'étais pas assez proche de Schumacher. On va tenter quelque chose. Ah, pareil. L'extérieur, non, c'est. Putain, je vais dire, je vais faire... faut pas que je fasse la même, mais j'ai fait la même. Hein. Allez, on va essayer de. Remonter un peu, je pense qu'on peut en passer devant. Hein. Mais je suis vraiment proche, faut vraiment que je s'approche au dernier virage. Il faudrait que je décroise. Ici là, ouais, ça peut passer. Eh non, il est à l'intérieur. Ah, du coup, ça m'enlève la vitesse. Quoique, c'est bon. Est-ce que j'ai réussi à rattraper par Aquilo? Ouais, non, même là, il a l'aspiration. On va essayer la Williams pour rattraper.
je suis à 330, mon temps va exploser. Ouf, 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 ouf. Oh, le dépassement à la vitesse, c'était magnifique. Allez, Williams qui nous a complètement aidé là. Ouais, par contre, là, à l'extérieur. Il y a une petite bosse dans les virages et si j'accélère trop, je glisse en fait. Du coup, à chaque fois, je peux pas accélérer très fort et du coup, j'ai jamais l'aspiration. Ouais. Ils vont arriver comme des bourrins derrière. Allez, reste deux tours. Ah non, mais là, même si je me décale un peu, ouais, laisse tomber. Laisse tomber. C'est vraiment là où j'arrive le plus, hein, c'est la partie lente. Bon, par contre, moi, faut vraiment que je le doue parce que... On serait quand même devant en championnat, mais... Ça me laisserait plus de... Plus de marge. L'extérieur, ouais, bah oui, non, mais non. En fait, je crois qu'il serait beaucoup plus proche. Du coup, je me suis dit, c'est bon, il va me couper. Du coup, j'ai pas accéléré. Et là, l'aspiration. Sur Schumacher. Ah, c'est bon. Oh putain, et voilà, je savais bien que j'ai fait une connerie. Allez, on a la partie là, on devrait le faire. Oh, c'est bon, ça va permettre de prendre un peu de l'avance. Bon bah nickel. Et du coup, bah là on va récupérer 4 points. Et peut-être bien le titre d'ailleurs, hein. Je sais plus quel point de points d'avance on avait. Ah, ça va être intéressant ça par contre. Est-ce qu'on va être titré maintenant ou est-ce encore il y a une chance pour Schumacher de nous repasser devant. Victoire en tout cas pour ce Grand Prix des États-Unis. Ouais, une fois libéré de l'aspiration, on était quand même plus rapide. Alors, Schumacher 2ème, Montoya 3ème, Barrichello 4, Rahl 5, David Coulthard 6, Raikkonen 7, Button 8, Trulli 9. Et toujours aucune évolution derrière. En tout cas, c'est là où le jeu respecte quand même la réalité, parce que... 2002, comme on sait très bien, c'est tellement la domination Ferrari. Williams et McLaren derrière qui suivaient de loin, mais qui du coup récupéraient à chaque fois les 3, 4, 5, 6e place. Les autres à côté, ils étaient inexistants, quoi. Il y avait un peu les Renault, on va dire. Deux fois avec les BR qui récupéraient un ou deux points comme ça. Mais c'était la mort, hein, derrière, vraiment. Alors, eh ben on est champion. Voilà. Écoutez, on est champion. Alors, si on avait terminé, juste quand même, si on avait terminé deuxième. Alors déjà on a enlevé 4 points, donc j'aurais eu 107 points j'aurais eu. Et Schumacher aurait eu 4 points de plus, donc il aurait eu 104.
Donc ça aurait été assez proche quand même hein, pour la fin. Bon, alors du coup c'est un peu dommage pour vous parce que la course sera pas forcément avec beaucoup d'enjeux. Mais on va quand même la finir. Ferrari 176 points, Orange Arrow 111. Donc on est deuxième, il est quasiment intouchable. Et vous savez quoi? On va terminer le championnat dans la même vidéo. Voilà ce que je vous propose. Ça vous évitera de regarder, d'attendre une semaine pour en fait voir une course où je suis déjà champion quoi. Allez c'est parti. On va lancer les qualifications. Alors on est à Monza, n'importe quoi, on est à Suzuka. On va faire du coup les réglages aéro. On va mettre un plus aéro par contre, rapport de boîte on va laisser en haut. Petit patinage, on va laisser en bas. Sortie des stands. Regardez comme c'est fouillis quand même au fond à Suzuka. Le nombre de détails, il y en a partout. Franchement, c'est vraiment impressionnant. Hein. Enfin, je l'ai déjà rappelé lors du test du jeu, mais regardez tous les détails. Je rappelle que le public est quand même, bon, pas forcément en 3D, mais vraiment chaque ligne est détachée au niveau du public, etc. Et regardez jusqu'à l'angle de. Enfin, le. La profondeur de champ, elle est vraiment énorme quoi. Allez bah du coup course sans enjeu on va dire. Puisqu'au constructeur on est bon, pilote on est bon. Ce que je vous propose, on fait un petit tour et on va partir dernier. Écoutez, on va partir dernier. Comme ça au moins on va s'amuser un peu. On va voir ce que ça donne, hein. Putain, ça se trouve. Ouais, 2 secondes 6 de kilo. Je vais faire exprès de toute façon de. Ouais, par exemple, cette chicane, je suis sûr que dans le Grand Prix 4, elle est pas du tout pareille. Pas la chicane, l'épingle, pardon. Elle est pas pareille dans le Grand Prix 4. Hein. Après, le jeu est sorti en 2002, un peu comme Grand Prix 4 aussi. C'est ça qui est. Enfin, c'est paradoxal quand même, effectivement. Hein. Non, mais regarde, y a pas de clipping, quoi. Alors le 130R, voilà, hein, pareil, hein, c'est pas du tout le même dans le Grand Prix 4. Là il est super simple, regardez la descente, c'est pas du tout comme ça dans le Grand Prix 4. Je sais pas, je suis pas trop d'accord. Bon, je vais ralentir. Je vais prendre la pole pour partir dernier, voilà. Le tour. Ouais, 17ème temps, mais bon, je pense qu'ils vont battre. On va faire fin de session. On va partir 20ème. Alors même au ralenti, j'arrive quand même à être 20ème. Bon. Comme je dis, c'est un jeu qui mériterait d'être refait en mode difficile. Franchement, il me tente. Alors je le ferai pas forcément la suite parce qu'on va quand même voir d'autres jeux. Mais peut-être qu'un jour je le ferai en. Peut-être en live. Ça va être marrant. Alors du coup, on va partir 20ème. On va lancer la course. On va partir mon camp tendre. On va partir 20ème sur 22. Allez, c'est parti, on va mettre un petit patinage haut. Allez, on sera dans le patinage. Bon, derrière, par contre, on va avec double pas. Hein. C'est vraiment que les équipes de tête qui ont une accélération super. Là, c'est pareil, regardez ce virage double droite. Si vous regardez la Song Grand Prix 4, elle est en descente. Les deux virages sont en descente. Là, ils sont en montée. Donc c'est vraiment pas les mêmes données GPS, les mêmes data. Donc pour moi, non, c'est pas le cas. Enfin, voilà, hein, Et la roue qui tourne aussi. Attendez, on n'a pas fait gaffe, mais la roue, elle tourne en temps réel. C'est vraiment énorme, quoi. Allez, on est 19ème. Bon, je pense qu'on va pouvoir monter quand même. Ouais, c'est bon, ici, un petit ralentissement devant. Oh, allez, ça va passer. Attention. Bon, essayer de faire ça à réglo quand même, hein. On va pas faire bourrin. J'ai quand même voulu faire le jeu de manière réglo toute la saison. Je suis passé à l'extérieur mon coéquipier, ouais c'est bon. Alors si je devais faire un bilan de cette saison faite avec ce jeu, hein, bah écoutez le jeu est quand même bien, hein. Franchement je me suis bien marré. Franchement je me suis bien marré, les courses c'était quand même sympa. Je me suis surtout fait avoir quand il pleuvait concrètement.
Des fois, je me suis dit, oh là, ça aurait été tellement bien de refaire la vidéo en mode là, je tente autre chose. Bon, voilà, après, c'était le jeu, hein, donc je l'ai pas fait. Mais il est cool, hein, franchement, pour quelqu'un qui a envie de s'amuser, avoir du fun dans un jeu de Formule 1, même si le jeu est vieux. Oh, pop, hop, hop, oh, j'ai pilé, j'ai vraiment pilé. Oh là, regardez le monde qui. Putain, je me suis retrouvé dehors. Le monde qui est à la chicane. Le jeu est fun, voilà. Et honnêtement, quelqu'un qui aime la Formule 1, qui a pas envie de se prendre la tête et voir une vieille saison, je pense qu'il va prendre son pied. Franchement, je pense qu'il va s'éclater. C'est pour ça que ce jeu, franchement, il. Oh, aïe, 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 j'ai tapé l'aileron, on l'a vu. J'ai cassé un peu l'aileron de Toyota. Enfin, l'extérieur, là, comme Eddie Irvine en 97. S'il avait doublé Schumacher et Irvine d'un coup. Je crois qu'Irvine avait moins d'essence, d'ailleurs, c'était pour gêner Villeneuve. C'est pour ça qu'il a pu passer aussi facilement. Attends, extérieur encore, ouais, c'était ici. Oh là là là, il est passé. Voilà, donc franchement, je reste sur la lignée, c'est un très bon jeu. Pas le jeu parfait, parce qu'évidemment, il y a certains trucs pas trop simu. Mais vraiment, si vous baissez l'antipatinage au minimum, qu'il n'y en a pas, vous mettez la pluie, là, la simulation, vous l'avez. Hein. Enfin, vous avez une bonne simu quand même. Ça reste super difficile. Ouais, la Toyota. Touché, bon, je l'ai légèrement endommagé, mais ça va. Voilà, après, bon, il y a des courses à veste avec des courses sans. On n'était pas en mode difficulté maxi, hein, c'est pour ça, on était dans l'avant-dernier mode de difficulté. Mais ça doit être intéressant de le faire à fond en difficile. Quitte à peut-être pas prendre une Arrows, mais prendre par exemple une Renault ou une McLaren. Et essayer de se battre pour le titre à nouveau. Parce que là, je pense qu'en vrai, en mode difficile, avec la rose, je fais rien. Vraiment. Cette chicane, décidément. Je pense que je fais rien du tout. Enfin, je ferai peut-être quelques points, voilà, mais ou un podium vraiment en manière miraculeuse, mais vraiment pas plus. Hein. Parce qu'il y a tellement de différence entre les voitures avec l'aspiration et en termes de puissance. C'est super dur. On se contente l'extérieur aussi ici. Ouais, ouais, ça passe, ça passe, ça passe. Oh, attention la Renault. Je faisais gaffe à mon aileron quand même, il commence un peu à truiser là. Les deux Renault, on va réussir à les passer. Vous voyez le gap à chaque fois, hein, entre les trois équipes de tête et le reste. Les six premiers quoi. Et il m'a repassé, mais ça c'est logique. Je me suis loupé. Alors du coup, je sais pas s'il y a une scène de fin, une vidéo, je sais pas. À voir, est-ce qu'on débloque des trucs, ça pourrait être intéressant à voir. Un 3 tours, je suis déjà 7ème. Je sais pas, est-ce qu'on va débloquer peut-être des nouvelles F1, comme c'est le cas dans les Formula 1 par exemple. Peut-être un circuit. Peut-être une vidéo de fin aussi. Là, je pense que ça vaudra le coup d'enregistrer avant. Bon, ouais, là ils sont vraiment tous proches les uns des autres. Ça permet de revenir. Alors c'est sûr que quand ils commencent à s'attaquer entre eux, c'est là où ils sont vraiment beaucoup plus lents. C'est-à-dire souvent dans ces moments-là que j'ai réussi à les rattraper. C'est quand ils sont en paquet. Alors quand ils sont solo, ils sont vraiment vraiment difficiles à rattraper. Alors le seul avantage quand ils sont solo, c'est que comme ils n'ont pas d'aspiration, bah ils nous grillent pas trop en ligne droite. Souvent par exemple on a le cas avec les deux Ferrari où quand elles sont ensemble, elles sont super dures à dépasser. Et par contre, quand elles deviennent. Elles sont trop toutes seules, bah. C'est beaucoup plus simple. Avec le tard dans l'intérieur, peut-être. Ouais. Ouais. Oh, elle a même essayé de passer la Williams. Et c'est presque passé. Ouais, non, ça c'était évident, j'ai enfin passé. Je suis totalement loupé. En sortie.
Oh, Coulthard qui tente quand même de bloquer. Oh la vache, la Williams qui a tenté derrière. Ouais, 130R là, il est vraiment. Voilà, il est trop large quoi. Je peux prendre un fond tranquillement. Et d'ailleurs, c'est une Williams en tête? Ah ouais, c'est une Williams, c'est même pas une Ferrari. C'est quand même là qu'on se dit que c'est dommage que Sony ait récupéré la licence à l'époque exclusive. Ouais, vraiment désolé, hein. Je veux pas me forcer, hein. Ah, pas éternuer ou tousser. Attention. La relance. Et Williams qui s'est fait redépasser. Même se faire passer peut-être à la deuxième Ferrari d'un coup. Oh là là, attention. Là, je prends l'inspiration, mais là aussi. Oh là, comme il s'est fait arrêter net. Hop, attention. Ah, c'est vraiment des fous. Hein. Honnêtement, voilà, il se pousse limite. À 3 dans le 130R. Attends, ça l'échec, ça allait pas baser. J'ai vraiment tenté comme ça, mais... Ça aurait presque pu, hein. Enfin, presque. Et voilà, Williams qui a perdu les deux premières places. Donc à mon avis, va se refaire avec la ligne droite. Mine de rien, elle est assez rapide, la Williams. Mais comme il y a l'aspiration de Schumacher devant... Et il est en train de revenir, on sait, avec la McLaren derrière. Et non, il est pas passé, finalement. Parce qu'il a dû être aidé par la... Oh, j'allais dire à l'extérieur, non mais là j'étais un petit peu trop hâti. Ça serait pas passé. Ah, heureusement que les dommages sont assez... Putain, je dirais permissifs. Ça peut mettre un clan de revenir, ça. Sont assez permissifs parce que, honnêtement, le nombre de fois où on serait surprendre parce qu'il nous voit... Y a de quoi péter un plomb, des fois. Typiquement, si on avait les dégâts à la Formule 1 97 par exemple, ou 95. Ah ouais, non, mais je pense que au bout d'un virage à chaque fois, j'aurais les ronds en moins. Hein. Allez, ça s'est un petit peu resserré là. Il y a aussi une bloquée à l'intérieur, ça c'était un peu logique. L'accélération. Oh oui! Et du coup, j'aspire par la Ferrari peut-être. Ouh, vous avez vu la bosse? Ah, il va rester 4 tours. Ah, hop, hop. Alors je vais pas encore vous dire quel sera le prochain jeu après celui-là. Vous le verrez quand la vidéo sortira, hein, concrètement. Parce que je dois quand même faire encore quelques tests. Et j'ai pas envie de m'avancer, je me suis suffisamment avancé à l'époque. Finalement, le championnat était annulé au milieu de parcours ou dès le début parce qu'il y avait des problèmes. Donc j'ai pas envie de faire ça à nouveau. Et encore même avec ça, je pense que c'est pas certain qu'il n'y ait pas un bug un jour ou l'autre. Mais bon, ça a toujours été l'aléa des championnats
C'est marrant la musique de fond. Alors elle est assez légère, mais elle me fait penser à la musique du Monarch Cut. Alors la petite musique par-dessus, les boum boum boum, non, mais hein, les boum boum boum, on dirait vraiment une musique... 1997. J'ai perdu contact. Ah, Ayrton Senna et Prost qui vont se toucher dans la chicane. Oh là, oh bah là, c'est tout de ralenti. Et je me fais retoucher par... Je crois que c'est Barrichello. Il y va. Oh là, il est à l'extérieur. Bon, c'est passé. Ah, c'est passé, c'était limite, hein. C'était quand même limite parce que j'avais le la roue extérieure qui était un petit peu dehors. Bon bah là du coup on est premier. Bon, ça veut dire quand même qu'on n'aurait pas volé notre titre. Hein. Je rappelle qu'on est parti de dernier. Pareil, la prise en main assez difficile au début. En fait, les voitures ont une certaine latence dans la direction. Une fois qu'on a compris un peu ça et qu'on s'y est habitué, c'est bon. Mais c'est pas évident les premières fois. On fait surtout surprendre dans les courbes. Bon, ben là, je pense que c'est bon. Mon seul regret de ce championnat, bah, ça aurait été de ne pas avoir mis le mode difficile. Voilà. Parce que... Bah parce que on gagnait qu'une Arrows, quoi. C'est quand même un peu paradoxal. Je sais bien que l'Arrows était une bonne voiture en 2002, mais... Pas à ce moment-là. Je revois la première vidéo expliquant mon objectif. Je crois que c'était de marquer des points. Là, on en est vraiment loin. Champion, marquer plus de points que McLaren avec un seul pilote. C'est difficile, hein, vraiment, on dirait pas comme ça, mais quand vous lancez les championnats à l'avance, vous partez sur un mode, vous choisissez, etc. Alors en général, vous testez un tout petit peu, mais bon. Vous avez beau tester un petit peu, bah souvent, il y a le problème de se dire, bah là, j'ai pas choisi les bons réglages pour avoir un championnat ultra, ultra disputé. Alors là, ça allait, honnêtement, j'ai connu pire. Là, c'était plutôt correct, franchement. Juste au niveau du réalisme final, où c'est un peu moyen. Mais bon, voilà, après... J'hésitais vraiment à mettre le mode difficile, parce que mode difficile, bah... Pour l'avoir testé avant, je me suis dit que ça allait être tellement compliqué que... bah, ça n'arrêtait pas forcément intéressant à suivre. Je me rends compte que le jeu en mode difficile, je pense qu'il peut être, en fait, très très bien. Bon voilà, on verra. Alors sûr que si je le faisais en live... bah ouais, moyenne à deux courses par... ouais, par heure on va dire. Ça fait quand même un live de... 7-8 heures. On va pas le faire en une fois mais... C'est dommage aussi que les aérostands n'aient pas... n'est pas marché. Parce que The Resident, ça aurait mis quand même un... Ah, ça aurait mis un peu de tactique, quoi. C'était quand même une bonne idée. Mais comme le jeu le gère mal... Ça a tout cassé. Si, par contre, ce que j'aurais dû mettre, c'est peut-être le dur des pneus. Ça aurait été intéressant, parce qu'on a vraiment pu avoir un gap entre les pneus durs et les pneus tendres. Ça aurait dû être un grand prix. Après, je sais pas si les IA auraient bien réagi avec ça, c'est pareil, mais... Enfin bon, pour refaire l'histoire, c'est fait, c'est fait.
quoi qu'il en soit, on va être champion. C'est quand même bien. Je pense que la course la plus sympa, honnêtement, que j'ai faite dans le jeu, je pense que c'est quand même celle de... Bon, Garorik, c'est pas mal. C'est quand même celle de Malaisie. Franchement, elle était vraiment cool comme course. J'ai repris mon pied à ce moment-là. Il y a eu des courses un peu plus chiantes, mais... de manière générale, les courses ont été sympas. Et donc, le titre... pour Enrique Bernoldi... cette saison 2002, avec donc 121 points, puis donc devant Michael Schumacher, Rubens Barrichello, Ralf Schumacher qui finit devant son équipier Juan Pablo Montoya, Coulthard et Kim qui finit devant Kimi Räikkönen, Button et Trulli qui ont un point tous les deux. Les meilleurs des autres, ça aurait été Felipe Massa et Nick Heidfeld. Ensuite Fisichella, Mika Salo, Frenzen 14e. Et 2001 qui ferme la marche. Au championnat constructeur, bon évidemment là c'était impossible. Mais on termine quand même deuxième. Je pensais pas pouvoir finir deuxième. Je me suis dit au mieux, même si on arrive bien, on va finir peut-être troisième parce que Williams sent vraiment forte. Mais deuxième quand même. Et j'ai débloqué les super IA. Alors, un droit à une scène crédit, on va dire. Enfin, une scène, non, même pas, juste le développeur. Catherine Burder, c'est marrant, c'est la première fois que je vois Catherine écrit comme ça. C'est assez original. Allez, on va se retrouver. On verra rien, du coup, on verra que le circuit. Bon, je vais passer. On va faire suivant, bien sûr. Alors, je vais juste enregistrer quand même. Voilà, comme ça. Au cas où, s'il y a quelque chose à enregistrer, genre une scène de fin ou autre. Alors, est-ce qu'on a débloqué des trucs ? Options. Option de jeu audio vidéo, régler l'image, non, rien du tout. World Championship. Alors si je fais nouveau championnat. Ah ouais, il y a vraiment super, c'est à dire qu'en fait il y a même pas, il y a un niveau encore au-dessus. Il y a le niveau super dur, c'est même pas... ouais d'accord. Ok, bon. Alors attendez. Bon, on va comparer. Select your driver. On va comparer. On va rester en intermédiaire par contre niveau minimum. Je vous propose de faire une qualif, juste pour voir maintenant la différence. On va faire ouais, une course, allez, on va faire ça dernier. On va partir en tendre. On va voir comment ça se passe en mode super dur. Je vais pas faire la course évidemment, je vais faire un ou deux tours. Donc là en mode super AI. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que ça vaut en mode Super AI? Alors, j'ai pas fait de réglage, hein, bien sûr. Putain, la vache. Bon, je vais quand même tenter de prendre l'intérieur. Bon, ça rame un peu, il y a beaucoup de voitures. Oh la vache. Ah mais qu'on voit ce que ça va donner. Et puis se comprendre la différence avec... Okay. Déjà... Ouah, déjà... Déjà voilà. Non parce que ça peut être un bon indicateur. Parce que si la Super IA est dure, est-ce que le mode Super IA est vraiment impossible? Est-ce que du coup le mode dur est trop facile? Enfin voilà, il y a plein de...
question à se poser. Je vais mettre en bas, tiens. Par contre, j'ai... Ouais, même la minardie, mais... Oh la vache! Même la minardie, elle le met dans le vent, quoi. Je sais pas où est le deuxième. Ouais, il est là-bas. Alors, je pose la question, est-ce que c'est vraiment Super IA ou est-ce que j'ai Super Booze en voiture, du coup? Enfin, un deuxième tour, puis on s'arrêtera là-dessus. C'est pour voir un peu si j'arrive à les rattraper. Que je puisse pas gagner avec la rose, je comprendrai totalement. Ça me gênerait pas, en soi. Par contre, est-ce que je peux... au moins, on va dire, rattraper les mecs du top 15 avec la rose. Là, par contre, ce qui serait logique, ça reste à voir. En tout cas, je reviens légèrement sur la Jordan devant. Je sais pas si c'est Sato ou Physique qui est là, mais on revient légèrement. Alors là, derrière, il est revenu au fur et à mesure. Ok, il y a une Minardi qui est encore derrière. Je suis complètement loupé là. Je suis complètement loupé et voilà, je vais partir à la faute. Ah bah regardez, il est déjà juste derrière, c'est là Jaguar. Il m'a fait peur hein, d'ailleurs. On va voir à quelle vitesse il va me rattraper. Même sans aspiration. Ouais, non mais regardez-moi ça, quoi. Ah, ça par contre, c'est ridicule. Je veux bien, mais il y a des choses que je peux accepter, mais alors ça... ça bat du tout, quoi. C'est pas réaliste du tout. Je vais voir si avec l'aspiration, il peut m'aider à recouler un peu. Ce qui est sûr, c'est que ça va faire pare-choc comme pare-choc très souvent pendant la course, hein, je pense. Passe, ouais, du coup, ça c'est le gros problème, hein, c'est que il nous passe d'un coup, on se retrouve un petit peu surpris parce qu'ils vont piler devant nous juste derrière, et du coup, ben, je peux pas l'éviter, quoi. C'est impossible. Oh, putain, j'essaie de tourner, ça va passer. Bon bah écoutez, c'est comme prévu, c'est-à-dire que ça va être très dur. On verra si on fait le mode Super IA ou mode difficile. Ça va être un sacré challenge en tout cas, c'est le cas de le dire. Grand Prix challenge. À voir ce qu'on fera dans le futur avec ce jeu. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve pour un nouveau championnat. Et à la prochaine, ciao tout le monde !